Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler essentiellement de Huda Beauty et des derniers produits qu'elle a sortis. Donc bien évidemment, on va parler de la Icy Nude, on va parler d'un des blushs de la collection Icy et un des faux fillers, donc ces glosses pailletés qu'elle a sortis aussi pour cette même collection. Si ce genre de vidéo nouveauté vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, au moins, vous verrez mes prochaines vidéos. Allez, on va regarder un petit peu cette palette que vous avez déjà dû voir dans plusieurs vidéos. J'arrivais un petit peu après la guerre, mais j'avais d'autres contenus à vous filmer avant de vous montrer cette palette-là. Donc, elle se présente comme ceci. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, en fait, du gris comme ça, avec cette espèce de violet. C'est très, très joli. Je vous remontre quand même l'intérieur, mais bien évidemment que vous l'avez vu un petit peu partout. On est sur une majorité de tons froids, mais il n'y a pas que du froid dans cette palette. Et on est sur une palette pour des looks un petit peu icy, un petit peu pour l'hiver. Donc voilà un petit peu pour la palette, je vous mettrai de toute façon tous les prix ici, le nom de la palette, etc. Et le lien de la palette sera dans la barre d'infos. Moi personnellement je l'ai acheté sur le site de Sephora. Et il y a eu des promotions là pour le Single Day, etc. où elle était à moins 20%, donc j'espère que vous avez pu en profiter. Le but de cette vidéo c'est de vous donner mon avis, mes premières impressions sur cette palette là. Et puis par la suite je vous proposerai d'autres looks sur Instagram, TikTok et en short. Je vais faire quand même quelques swatchs dans un premier temps. Je vais vous swatcher déjà tous les lumineux. Peut-être pas le fard à paillettes, mais au moins tous les lumineux. Je pense que les swatchs, tout ça, vous les avez vus de partout. Hein. C'est pas mes swatchs qui vont changer quoi que ce soit. Parce que je pense que si elle vous plaisait, à mon avis, vous avez déjà craqué pour cette palette. Voilà ce que ça donne pour les swatchs. On a différentes textures dans cette palette-là. Vous voyez ici, on a un fard qui est à la base blanc, mais du coup qui est duochrome, un petit peu bleu-violet. Vous avez ces deux fards-là ici qui sont un petit peu plus épais, un petit peu plus crémeux. Donc faites attention à la quantité qu'on prélève pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Là ici, je vous ai mis les paillettes. J'espère que vous pourrez les voir. Donc c'est le fard un petit peu spécial de la palette. Et ici, après, donc là, on a un très beau argenté. Ici, un espèce de doré avec des petites paillettes. Et après, ici, un petit rose, on va dire, qui est, ma foi, très joli. On va voir ce que ça donne. En tout cas, les swatchs sont très beaux, franchement. Ça a l'air de très, très bonne qualité. Et moi, je suis pas déçue des dernières palettes Huda qui sont sorties. Elles sont vraiment très, très jolies. J'aimais pas du tout les premières. Je trouvais qu'elles valaient pas le coup en termes de qualité par rapport à ce qui se faisait sur le marché. Et là, je trouve que quand même, on a un cran au-dessus. Et je trouve que même les lumineuses, quand même, un cran au-dessus que Natasha Denona. On va dire que c'est différent. Natasha Denona, on va être un petit peu plus classique, même si j'aime beaucoup. Et là, c'est vrai qu'on est sur des fards qui sont un petit peu plus impactants. Déjà, je prends un pinceau estompeur et je vais prendre celle-ci de teinte pour faire un creux de paupière. Les fards mat sont un petit peu poudreux. Vous m'excuserez, je suis un tout petit peu molle aujourd'hui. Je pense que je suis en train de tomber malade. Du coup, c'est un peu... Voilà, je manque un petit peu d'entrain, je suis un petit peu fatiguée. Parce que bon, en plus, je travaille beaucoup en ce moment. Mon fils, c'est toujours compliqué ses nuits. Donc voilà, il y a plein de choses de la vie qui sont compliquées. Et en plus, un rhume qui vient, donc c'est pas cool. D'ailleurs, je me suis chopée des boutons, trois boutons. Je les appelais Riri, Fifi et Loulou. Je savais pas quoi leur donner, il me fallait un trio et j'ai pris ça. Et je pense que c'est le spray de finition de Laura Mercier qui m'a donné ces boutons. J'en suis pas sûre et certaine, mais quasiment sûre à 90%. Du coup, je vous en reparlerai de ce spray dans une prochaine vidéo, mais n'achetez pas le spray de finition de Laura Mercier, il n'est pas terrible. Ensuite, j'ai envie de prendre cette teinte-là. Elle m'appelle depuis le début, cette palette. Depuis que j'ai vu la palette, ce matelas m'appelle, donc j'ai très très envie d'utiliser. Je garde le même pinceau, je prends légèrement du fard et je vais le mettre en coin externe. Histoire d'intensifier un petit peu. Les mats sont très bons, honnêtement, il n'y a rien à dire. Je vous dis, je suis très très satisfaite de la qualité Huda depuis un petit moment. A priori, alors moi je ne l'ai pas vu, mais a priori tout le monde dit que ce serait sa dernière grande palette. Bah, de toute façon, tout le monde dit que les grandes palettes, c'est plus du tout. D'ailleurs, le make-up des yeux en soi, on n'en voit plus beaucoup maintenant sur les réseaux. On voit beaucoup de maquillage de teint, de lèvres. Mais alors les yeux, c'est vrai que beaucoup moins. Pardon, c'est un pinceau qui vient de tomber. Là, j'ai juste pris un pinceau propre.
pour estomper un petit peu les rebords. Donc ça se trouve, ça, c'est par rapport à la tendance. Si les grandes palettes reviennent, bah, peut-être qu'elle refera des grandes palettes. J'ai quand même envie d'intensifier encore un tout petit peu plus. Donc je vais prendre la teinte qui est juste à côté, toujours avec le même pinceau. Et là par contre, j'ai juste resté sur le coin externe. C'est vraiment juste histoire d'intensifier, mais très très légèrement. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, un petit pinceau plat. Hop, celui-là. Et je vais prendre la teinte avalanche, la blanche ici. Et je vais la mettre comme ça en coin interne. Il est bien pigmenté le blanc, vraiment nickel. J'aime bien se dégrader comme ça avec le blanc. Voilà, et je vais prendre le fard lumineux. Alors j'hésite du coup. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre celui-ci, Diamant Doux, avec cette texture un petit peu particulière. Je vais en prendre un tout petit peu. Attendez, je me démaquille les doigts parce que j'ai différents fards à paupières sur les doigts, ça va pas le faire. Vous inquiétez pas, je ne me suis pas sur mon pantalon, j'ai une serviette sur les genoux. Hop, je le presse un petit peu sur ma main pour éviter de trop en mettre. Hop, je vais prendre le pinceau plat pour fondre ici. C'est pas facile. Je vais prendre l'autre argenté ici avec le pinceau plat pour essayer de fondre le mat et le fard lumineux. C'est pas facile cette texture. Je vous ai rapproché un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Quand même bien le travailler hein, ce fard-là, là, le fard un petit peu épais qui s'appelle Diamant Doux. Faut qu'il soit bien fondu à la paupière. Du coup, je voulais pas qu'il aille si loin sur le coin externe. Je vais prendre mon pinceau. Voilà. Et je reprends l'argenté platinum pour fondre un petit peu. Je trouve que c'est un fard qui est un petit peu grossier. Et du coup, je trouve qu'il n'est pas hyper facile quand on veut faire quelque chose de précis comme ça. Mais ça va, ça reste quand même joli. Je vais en rajouter un tout petit peu. Hop, je reprends un petit peu de fard mat blanc. Je pense que c'est pas mal. On verra après une fois que j'aurai mis mascara et tout, mais je pense que c'est pas mal du tout là. Et voilà, donc je vais faire mon deuxième œil hors caméra, nettoyer les chutes. Je pense que je vais en rester là pour ce maquillage. Je vais pas faire de trait de liner pour rester vraiment, pour garder le blanc à l'intérieur aussi intense. Et on se retrouve juste après pour le blush. Donc j'ai fait mon teint, j'ai mis la CC de chez It Cosmetics, j'ai mis mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape, et mon mascara de... qui est où? Qui est ici, le télescopique lift de chez L'Oréal. Maintenant je vais faire mon rat de cils avec vous, j'ai oublié mais il faut peut-être que je le fasse. Je vais prendre un crayon blanc de chez KVD. Qui est un petit peu sec, c'est bien dommage. Est-ce que j'ai un autre crayon blanc? Il est complètement sec. Les crayons KVD, décidément, ils tiennent vraiment pas la route. Voir s'il marque quand même en muqueuse. Bah non, il marque pas en muqueuse, il est trop sec. Donc je crois que j'en ai un de chez LH Cosmétique. Bougez pas, je vais essayer de le retrouver. Voilà, j'ai celui de LH. Hop, on va voir ce que ça donne en muqueuse. Parfait. Lui au moins il fonctionne. C'est Huda Beauty qui a fait ce genre de look là sur ses réseaux, le look un petit peu icy comme ça en mettant du blanc dans la muqueuse. Ça me tentait de tenter de le reproduire. Maintenant, je vais reprendre la palette. Un pinceau précis. Je vais prendre la première teinte que j'avais appliquée dans mon creux et je vais la passer sur mon rat de cils en fondant un petit peu le crayon au passage. Ensuite, la seconde teinte que j'ai mis, le mat ici. Et là, plus sur le coin externe, là, jusqu'au milieu à peu près. Et la teinte la plus foncée, ici. Mais là, juste vraiment, j'ai du mal à faire mon coin externe et vous montrer en même temps. Hop, juste ici dans l'angle pour rejoindre ici, voyez. Et le dernier fard, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le blanc avalanche ici. Et je vais faire un coin interne blanc. Et je vais le rejoindre ici. Voilà. Je trouve que c'est un très joli blanc.
s'estompe super bien. Qui fait quand même très joli. J'aime beaucoup. Mais écoutez, c'est pas mal comme ça. Donc on va passer maintenant au blush. Il s'agit du blush filter Icy Nude en teinte latte. Voilà pour le swatch. Très joli. Je n'ai jamais testé, pardon, les blush filters. Donc j'ai très très hâte. Je vais juste nettoyer ce pinceau-là de chez Reffer. D'ailleurs, j'ai passé une petite commande chez Reffer pour quelques pinceaux. Et je voulais me reprendre celui-ci. Il n'existe plus sur le site. Est-ce que vous savez, j'ai pas vu de communication de la marque ni rien du tout. Est-ce que vous savez si s'ils vont le refaire ou pas? Parce qu'il est génial ce pinceau. Vraiment, moi je l'aime beaucoup. Donc là, je le nettoie avec le nettoyant de chez Make Up Forever, le Instant Blush Cleanser nettoyant pinceau. Et en fait, il est nettoyé, tout propre et tout sec. J'adore ce nettoyant quand on a vraiment besoin d'un pinceau rapidement. Pour les blush crème, les bronzers crème, etc., il est parfait. Alors, je vais l'appliquer directement. On verra ce que ça donne. J'aime vraiment bien l'odeur. Et j'avais pas acheté les premières teintes qu'elle avait sorties. J'en ai peut-être trop mis là. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Je suis d'accord avec vous. C'est fort possible. Hop, on va voir comment il s'estompe du coup. Je vais le mettre en guise de blush bronzer. Bah écoutez, il s'estompe quand même vachement bien. Finalement. Et cette odeur de bonbon est très agréable. C'est pas grave là s'il y en a un petit peu beaucoup parce que je vais poudrer. Mais c'est joli ça. Donc, est-ce qu'il s'applique facilement? Baisser un tout petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir le blush. Parce que quand c'est trop lumineux, on ne voit pas. Mais c'est très joli ça. Oh, bah écoutez, j'aime beaucoup. En espèce de. Moi, alors, moi, bronzer, non. Moi, pour moi, c'est vraiment un blush. Plus qu'un bronzer. Parce que quand je l'étale sur moi, j'ai l'impression qu'il donne un petit peu sur le rose. Donc, je le mettrai pas tout seul en bronzer. Il sèche vite, hein, par contre. Hein. Il faut pas non plus trop traîner. Mais il s'estompe super bien. C'est très joli. Alors, j'ai l'impression que quand je baisse la luminosité, vous voyez que j'ai énormément de blush. Alors que c'est pas vraiment le cas. Je pense que c'est parce que c'est sombre. Donc je vais le remonter la luminosité parce que là ça rend pas justice. Voilà, là c'est un peu plus proche de la réalité. Franchement, c'est très très joli. Il colle pas, il brille pas. Enfin, il laisse un petit glow, mais je veux dire, il n'est pas non plus complètement brillant. Il sent super bon, c'est très agréable du coup à appliquer. Vraiment, j'aime beaucoup. Le packaging est très beau aussi. Ça a du mal à montrer que je suis contente aujourd'hui. Mais je suis vraiment très étonnée par ce blush et je trouve franchement très 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 joli. Pour le moment, la palette et le blush, c'est un sans faute. Maintenant, le dernier produit que je vais vous montrer, donc il s'agit du faux filler Shimmer Lip Gloss que j'ai pris en teinte The She Flirty. Je vais vous faire un swatch. J'avais eu une mauvaise expérience avec ces glosses là sur les premiers qu'elle avait sortis et je l'avais pas très aimé. Et là, je me suis dit, allez, c'est des shimmers, peut-être que la formule elle va être différente, peut-être que du coup tu vas apprécier. Là, j'essaie de vous rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu les petites paillettes qui sont dedans, parce que vraiment, c'est très joli. Il sent bon, lui aussi. C'est la deuxième fois que je l'applique, parce que je voulais voir s'il faisait des petits morceaux blancs comme j'avais eu avec l'autre. En tout cas, sur la première application, j'ai pas eu. Pourtant, je l'ai gardé plusieurs heures en parlant, etc. Et ça s'est très bien passé. Sa teinte est très belle. Vraiment, c'est très joli. J'aime beaucoup. Il est très très beau, ce gloss. Vraiment, j'ai envie de me prendre le plus foncé. Du coup, on verra après ce soir. Peut-être que ce soir, je regretterai et que je me dirai que ça va filer et que ça va pas être très joli. Mais regardez ce gloss, il est très beau. Les petites paillettes comme ça qui donnent vraiment de la lumière. Il est vraiment très très joli. Et voilà pour le look final. Je vous montre pour les yeux. C'est très joli. Le blush, j'ai même pas poudré finalement mon teint. Je pense qu'il n'y a pas besoin en fait. Je pense que ça va tenir comme ça sans problème. Après la CC, je peux ne pas la poudrer, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, j'ai pas envie de poudrer. Je trouve que mon teint, il est très très bien comme ça. Et je trouve que le blush est très très beau. Donc vraiment, c'est un sans faute sur ces trois produits-là de Huda Beauty, de cette collection. J'aime beaucoup ce que je vois. La palette vraiment est de très très bonne qualité. J'aime beaucoup ce look. Je vous en reparlerai dans les favoris et les flops parce que je vais faire d'autres looks après sur les autres réseaux.
Mais j'aime beaucoup cette palette, je la trouve très belle. Déjà, quand je l'ai vue tout de suite, je me suis dit je vais la prendre, je la trouve magnifique. Et franchement, j'aime beaucoup le look que j'ai fait avec, c'est très beau. Après, ces deux fards-là, heureusement, on n'en a mis que deux, c'est quand même pas évident à travailler. Il faut quand même... Ça fait quand même des chutes. Donc, soit mettre un patch sous le contour des yeux pour éviter les chutes, soit ne faire son teint après. Mais moi, personnellement, j'ai eu des chutes. Après, je suis peut-être pas douée. C'est pas possible. Mais voilà, j'ai eu quand même des chutes. Le blush, je le valide vraiment à 100%, comme la palette pour le moment, vraiment. Très bonne première impression, très joli blush, vraiment j'aime beaucoup. Il est pas collant, il s'applique bien. Vous avez vu comme il s'est bien estompé, c'est vraiment très joli. Il a pas déplacé la matière, il s'est bien fondu à la peau. Il n'y a pas d'effet de matière ni rien du tout. Vraiment, je suis conquise par ce blush là. Et du coup, le gloss, bah écoutez, pour le moment, comme ça, je pourrais vous dire que c'est très beau. Ça commence déjà à faire des petits pâtés. Il faut pas en appliquer beaucoup en fait. Là, je pense que j'en avais trop appliqué et c'est pour ça que ça fait des fils, ça fait du blanc. Donc j'ai l'impression que ça fait exactement la même chose. Donc du coup, je reprendrai pas la teinte la plus foncée parce que je veux pas ce genre de fini quand je mets un gloss. Je veux être tranquille. Je veux pas faire attention à la quantité que j'applique, etc. Même s'il reste quand même très très beau. Voilà, il faut quand même pas en mettre à l'intérieur des commissures. Faire attention à la quantité, etc. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà pour mon avis sur cette collection. Parce qu'en fait, finalement, j'ai acheté quasiment tous les produits. Pas le blush qui réagit au pH. Parce qu'elle en avait déjà sorti un que j'avais acheté. Donc je voyais pas l'intérêt d'en racheter un. Parce que pour que ça fasse exactement la même chose. Donc voilà. Mais sinon, tout le reste, là, c'est complètement validé. Et j'aime vraiment beaucoup. Et bien écoutez, vous allez me dire dans les commentaires sur quoi vous avez craqué dans cette collection. Est-ce que vous avez acheté la palette, blush, gloss, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez testé? Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, que ce soit la palette, blush ou gloss également. Et comme je vous ai dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!